Inutile de revenir sur les défis auxquels est confrontée Lourdes aujourd'hui avec un environnement en forte évolution, que ce soit sur la question du tourisme spirituel, mais aussi des évolutions du tourisme en France. Mais je dois dire que ces défis sont connus pour certains de longue date, et que s'il est une personne qui a su s'en saisir et apporter des réponses ambitieuses, c'est bien Madame le maire. Donc je salue l'action volontariste pour faire de Lourdes, de manière incontestable, le point d'entrée, le point central, la référence en matière de tourisme spirituel dans la région des Pyrénées, mais bien sûr aussi en France et en Europe. Et au titre de ces actions, je voudrais souligner un certain nombre de propositions concrètes qui, je pense, montrent la direction à suivre pour encore augmenter le rayonnement de Lourdes. Je pense bien sûr à son positionnement comme une destination incontestable en termes de tourisme religieux et spirituel, et c'est bien le sens de ce workshop co-organisé avec Atout France, mais j'en dirai un mot. Aussi, cette volonté de mettre en réseau Lourdes avec des villes jumelles, partenaires à l'échelle européenne, et de construire cette dynamique européenne autour du tourisme spirituel. Mais aussi, ça a été évoqué par Jacques Brune, la question de la diversification. Prendre conscience déjà que dans les publics qui viennent à Lourdes, il y a bien sûr les pèlerins, mais au-delà de ça, vous avez des personnes qui viennent dans une recherche spirituelle, personnelle, de ressourcement, et puis aussi des personnes qui viennent pour la beauté, la richesse du patrimoine lourdais, du patrimoine pyrénéen. Et déjà prendre en compte cette diversité, c'est adapter Lourdes aux défis du tourisme d'aujourd'hui et de demain. Et puis, ça a été dit, diversifier aussi le produit touristique que représente Lourdes, qui est, il faut le dire, une porte d'entrée vers une magnifique vallée des Pyrénées avec des sites extraordinaires comme Gavarnie, le Pic du Midi, Cotteret, et c'est tout cet ensemble auquel Lourdes doit aujourd'hui et demain donner accès. Dans cette démarche de renforcement de l'attractivité et de la visibilité de Lourdes, bien sûr, la ville a pu compter sur l'aide de la région. Je vais rappeler quand même un certain nombre d'interventions, un soutien qui ne s'est jamais démenti, avec près de 200 000 euros depuis 2013 pour divers investissements sur des infrastructures touristiques, un soutien de plus de 500 000 euros en 2009 pour la rénovation du centre urbain, le soutien bien sûr au moment des inondations pour remettre en état un certain nombre d'infrastructures, et puis de manière générale, un soutien qui, bien sûr, continuera à être présent pour l'avenir. Il y a une raison simple à cet engagement, c'est que, particulièrement dans l'adversité, on a toujours besoin de ses partenaires, donc la région est aux côtés de Lourdes, mais c'est aussi la raison, c'est que la région a besoin de Lourdes. Parce que dans la démarche de promotion touristique de la région, nous avons besoin de marques emblématiques, d'identité forte, visible à l'international, et à ce titre-là, Lourdes, bien sûr, en fait partie. Et donc cette visibilité internationale, ce workshop est un élément clé de son renforcement, et bien sûr c'est construit avec Atout France, le soutien d'Atout France, et je dois dire que c'est un exemple et que nous attendons de la même manière le soutien d'Atout France sur le renforcement de nos marques internationales, particulièrement sur les contrats de destination, la vallée de la Dordogne qui est représentée ici, et les Pyrénées. Parce qu'aujourd'hui c'est une nouvelle politique régionale qui se met en place autour de la promotion touristique, autour d'un CRT unique. Une réflexion qui s'amorce, qui va se poursuivre et, avec un moment fort des rencontres régionales du tourisme le 17 novembre, mais qui constitue un point de départ. Et dans mon rôle de présidente du CRT, je souhaite que la réflexion autour de ce que doit être le CRT, ce qu'il peut apporter aux acteurs du territoire, se fasse justement en lien avec les acteurs du territoire. C'est pour ça que je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je pense que nous devons, comme je l'ai dit, construire sur des destinations visibles, fortes, qui vont constituer un ensemble régional cohérent, Lourdes bien sûr, les Pyrénées, Carcassonne, les deux métropoles, parce que la réalité de l'attractivité touristique de notre région, elle est bien dictée par la réalité du terrain, et c'est avec les acteurs du territoire que cela se construit. Donc des échanges nombreux et fructueux à venir, mais en attendant des échanges aujourd'hui sur la question du tourisme religieux et spirituel, donc c'est... Je vous souhaite justement une très belle journée d'échange et je vous souhaite un très bon workshop. Merci à tous.